Youhou! J'ai parlé à mon grand-père au téléphone. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais une chose? Il va apporter un bel aquarium pour mettre dans notre chambre. Un aquarium avec beaucoup, 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 beaucoup de poissons. Oh oui, tu vas voir qu'il va y en avoir plusieurs. Ah, 5, 14, 2, 8, 9 poissons. Puis, peut-être plus. On va en avoir des gros comme ça. On va avoir des gros, gros, gros poissons. Des moyens, moyens poissons. Oh, mais des petits, 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 petits poissons de rien. C'est ici qu'on va le mettre, l'aquarium. Non, c'est ici. Non, ici. Non, ici. Je sais où on va le mettre, l'aquarium. On va le mettre, en haut. Comme ça, personne ne va pouvoir toucher à nos poissons. C'est trop haut. On les verra pas bien. Comment on va faire pour leur donner du manger? Je suis grand, moi. Pour leur donner du manger, là, aux poissons, on va prendre l'aquarium, puis on va le mettre à terre. Mais on peut pas le prendre dans nos mains. C'est trop lourd. C'est trop pesant quand c'est plein d'eau puis plein de poissons. Moi, je connais une bonne place pour les aquariums. Ici. Ah oui! On va les regarder quand on va se coucher. Est-ce qu'ils dorment les poissons quand c'est la nuit? Ils ferment jamais leurs yeux. Ça a des yeux ronds, 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 les poissons. Regarde, Bruno. Moi, là, je suis capable de dormir sans fermer mes yeux. Je dors, là, tu sais. Mais t'es pas en dessous de l'eau. Quand on est en dessous de l'eau, on peut leur toucher aux poissons. Ah, on attrape des poissons. J'en ai un. Oups! Il s'est sauvé. Je vais t'attraper. Une fois, là, il y en avait des petits poissons dans le sable. Il n'avait pas fait exprès pour sortir de l'eau. Non, je m'en souviens. Il était brillant, brillant, comme des sous blancs. Moi puis mon frère, on venait pour les prendre, mais ils glissaient toujours. Ça gigote des poissons. Et on va en avoir, hein, des poissons comme des sous blancs. Ah, puis des rouges, des jaunes, des noirs, des bleus, des toutes sortes de couleurs. Oui. Oh, d'accord, on dessine des poissons. Oh, c'est facile dessiner des poissons. Les poissons, là, quand ils ouvrent leur bouche dans l'eau, ils avalent pas d'eau. Ils se parlent. Oh. Avant, quand j'étais petite, j'avais peur des monstres. Maintenant, je vais tout seul dans la cave. Mon frère, il dit qu'il n'y a pas de monstre dans la cave. Il est grand, mon frère. Madame veut choisir ce qu'elle désire que je lui prépare pour souper. Ah! À vos souhaits. Merci. Elle a le rhume, grand-mère. Alors, je lui prépare à souper. Passepartout a écrit sur le carton ce que j'offre à grand-mère pour souper. Elle est trop fatiguée pour cuisiner. Je te borde, garçon. Oui, madame. Pourquoi ici j'ai le choix entre jus de tomate, jus de tomate... Ou jus de tomate, ça ressemble un peu, non? Le jus de tomate est notre spécialité, madame. Ah. Et poulet chaud ou poulet chaud? Le poulet chaud est notre spécialité, madame. Ah. Et pour dessert, mon restaurant vous offre le choix entre de la crème glacée
Ou si vous préférez, de la crème glacée. C'est votre spécialité, je suppose, garçon. Non, madame, c'est qu'il n'y a plus de gâteau. Oh. Madame désire que je lui replace ses oreillers. Oh non, merci, garçon. Madame est bien? Oh, très bien, garçon. Vous êtes très gentil de vous occuper de moi pendant vos rhumes. Oh, permettez. C'est un peu sale, ça. Je me demande ce que Passe-Montagne est en train de faire. Qu'est-ce que j'entends là? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? De l'eau qui gicle sur le fond d'une casserole, bien sûr. Et ça, qu'est-ce qu'on entend? Mais oui. Oh, écoute. Ce bruit-là. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh oui. La porte du réfrigérateur, bien sûr. Et ça? Une cuillère qu'on agite dans un verre. Le jus de tomate de madame. Merci, garçon. Walt! Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Une assiette cassée. C'est dans le tunnel, on va dire... Et quand il sort du tunnel, on arrête. Chou À chaque fois que le train va passer dans le tunnel, on va taper dans nos mains. Chou, chou.
chou, 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 chou. Je pourrais pas te découper comme il faut, je vais me tromper. Hey! J'ai découpé mon poisson avec des ailes, puis le papier a fait un autre poisson. Ça se peut des poissons qui ressemblent à des serpents. Oh, c'est ma mère qui me l'a dit. Oh, mon poisson qui a une longue, longue queue, là, j'ai coupé un petit bout de queue. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pas pleuré. Mon poisson serpent, lui aussi, il a une longue, longue queue. Regarde mon autre poisson, il a des grosses dents. On va faire semblant que c'est lui qui lui a mordu la queue. Et peut-être que l'aquarium que grand-papa B va nous donner, là, peut-être qu'il est grand comme une piscine. Et peut-être qu'il est grand comme la chambre. Ah, il y a des poissons qui vont nager partout, partout. You, 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 you. Je le tiens bien, mon poisson qui a des ailes. Parce que lui, là, il peut sortir de l'eau pour aller voler dans le ciel. You, you, you. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Dans le fond du lac font des flics-flacs sur le vent. Sur le dos, au fond de la rivière, y a pas de lumière. Les poissons voient clair dans l'eau. Dans le fleuve immense, tous les poissons dansent et passent sous les bateaux. Dans la mer verte, font une trempette. Oh là là, comme il fait beau. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons dans l'eau. Encore, encore. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Dans le fond du lac font des flics-flacs sur le ventre et sur le dos. Au fond de la rivière y a pas de lumière. Les poissons voient clair dans l'eau. Dans le fleuve immense, tous les poissons dansent et passent sous les bateaux. Dans la mer verte, font une trempette. Oh là là, comme il fait beau. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Les poissons gigotent, gigotent. Barbotte, barbotte. Gigotte, barbotte, gigotte. Barbotte. Il était une fois une maman éléphant qui prenait son bain dans une rivière près de sa maison. La forêt était calme, le ciel bleu, avec des oiseaux rouges, des oiseaux jaunes et des oiseaux verts. La maman éléphant se savonnait et souriait et chantait. Quand, tout à coup, des petites gouttes d'eau qui venaient d'en haut se mirent à tomber sur son dos. Pourtant, se dit-elle,
suis en train de prendre un bain, pas une douche. Qu'est-ce que c'est que ces gouttes d'eau-là? Oh. Une petite pluie, peut-être. Alors, elle regarde vers le ciel et qu'est-ce qu'elle voit juste au-dessus d'elle? Un petit singe. Un petit singe qui pleure, assis sur un nuage. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Dit le maman éléphant. Je pleure. Je veux descendre, dit le petit singe. Mais alors saute dans l'eau, mon ami, dit la maman éléphant. Comment pourrais-je sauter dans l'eau, moi qui ne sais même pas nager? Mais alors, vole jusqu'à la berge, dit la maman éléphant. Comment pourrais-je voler jusqu'à la berge, moi qui n'ai même pas d'aile? Bon, 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 dit la maman éléphant. Alors, élève sa trompe jusqu'au nuage. Prends doucement le petit singe et le porte jusque dans l'herbe, au bord de l'eau. Merci, dit le petit singe. Tu es gentil de m'avoir aidé. Et c'est à mon tour de te faire plaisir. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais? Eh bien, dit la maman éléphant, toi qui tantôt pleurais tant, j'aimerais t'entendre rire maintenant. M'entendre rire? M'entendre rire? Mais t'es drôle, toi, vouloir m'entendre rire. Et voilà qu'il se met à rire. Mais à rire, mais à rire. C'est en riant qu'il a embrassé la maman éléphant, en riant qu'il a couru parmi les fleurs entre les arbres et en riant qu'il est rentré chez ses parents. La maman éléphant le regarda partir. Il l'aima de tout son cœur. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il pleut sur la forêt, il y a une maman éléphant qui regarde vers le ciel pour voir s'il n'y aurait pas un petit singe qui pleure sur un nuage. Avec nos poissons, un mobile, bon mobile, bi, bi, bi. Je l'ai coupé toute seule, le petit bout de papier collant. On va le mettre ici. Oh oui, ouf, c'est collant. Ah, ils vont être contents, hein, nos vrais poissons, quand ils vont voir le mobile. Mais quand ils vont nous voir aussi, ils vont être contents. C'est grand-papa Bi. C'est grand-papa Bi? Non, non, c'est le Père Noël. Hein? Ouais, c'est pas le Père Noël, c'est grand-papa Bi. Ben, elle m'a reconnu, la petite vlimeuse. Donne-moi-le, l'aquarium. Je suis fort, moi, je suis capable de le prendre. Oui, lâche-le, grand-papa, on va le tenir tous les deux. Oui, mais prenez votre temps, c'est lourd. On va le déposer. Tiens. Ah, là, vous allez pouvoir le développer. Et attention, les enfants, c'est du verre, ça. Ça se casse. Je vous dis que c'est pas chaud dehors, mes enfants. Il fait froid dur. Ah, me suis gelé les doigts. Hein. Je pense à ça. Vous m'avez même pas donné de petit bec, mes sans cœur. C'est pour ça que j'ai de la misère à me réchauffer. Hein? T'as fait ça bien vite, hein? J'ai rien senti. Et toi, ma belle cannelle, hein? Mmh. Oh, tes joues sont froides. Ah oui, les tiennes sont chaudes. Oh, c'est froid, grand-papa. Les poissons? Où ils sont, les poissons? Ils sont pas dans l'aquarium.
Eh bien, non, j'ai pas été capable de faire partir mon auto. Le moteur était gelé, ça fait que je suis venu à pied, mais je pouvais pas apporter les poissons. Tu les as pas apportés? Pourquoi? Mais l'eau serait devenue trop froide. Il aurait attrapé le coup de mort, c'est sûr. L'eau d'un aquarium, là, faut que ça soit toujours à la même température qu'une maison. T'avais dit que t'étais pour apporter des poissons, puis t'en as même pas apporté! Il pleure pas comme ça, là. Je sais bien que t'es pas content, mais quand il va faire moins froid, le moteur de mon auto sera plus gelé. Je vais allumer la chaufferette, puis je vais venir vous les porter, vos poissons. Non, il va toujours faire froid! Ben, tu sais bien que ça durera pas un froid de même. Je voulais les voir tout de suite, les poissons. Ouais. Bon, ben, en attendant, on a des choses à faire, hein? Quoi? Ben, il n'est pas prêt à recevoir des poissons, cet aquarium-là, hein? Mm. Faut le préparer. Qu'est-ce qui manque, tu penses? De l'eau? Ben, c'est ça. On va le remplir. Comme ça, tranquillement, l'eau va devenir à la même température que la maison. Ni trop chaude, ni trop froide. Et puis, dans le fond de l'aquarium, on va mettre des belles petites pierres. Et ça, j'en ai apporté un plein sac. Elles ont pas eu froid, les pierres? Faudrait leur demander. Petites pierres, sont un petit peu froides. Bruno, tu... Voyons. Je suis ici. Hein? Ah, t'es là, toi! Bon. Ben, pendant que vous allez placer les pierres, moi, je vais aller chercher de l'eau. On va bien voir s'il est étanche, cet aquarium-là, hein? Étanche? Oui, étanche. On va voir s'il garde bien son eau, s'il n'y a pas des petits trous. Il n'y en a pas. Ah, oh, on sait jamais. Hey, mais quand il va faire moins froid, là, tu vas les apporter, hein, les poissons? Promis. Les poissons gigotes, les poissons barbottes, les poissons vivent dans l'eau. Dans le fond du lac, font des flics et flics. La bonne eau! Savez-vous, avec tout ça, moi, j'ai complètement oublié de me déshabiller. Il semblait aussi que j'avais chaud. vous trouvez ça drôle, vous autres? Plouc, il vient d'avaler une bulle d'air. Vient de plonger ainsi qu'un éclair. Plouf! Il cogne son nez contre un rocher. Un mauvais rêve. Oh. Dans mon cauchemar, j'étais perdue. Je marchais, je savais plus où j'étais. J'avais peur. J'avais très peur. Je voulais sortir. Je marchais dans des longs corridors.
beaucoup de portes, pas de fenêtres. Personne. Pas un chat. Pas un bruit. Oh! J'étais toute perdue, toute malheureuse. Je cognais aux portes. Pas de réponse. J'essayais de les ouvrir. Fermées à clé. Oh. En fais-tu des cauchemars, toi aussi, des fois? C'est pas drôle, hein? Oh, on se sent mal quand on se réveille. On a le goût d'en parler à quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, comme je viens de faire avec toi. Ça m'a fait du bien. Quand on raconte un cauchemar, on dirait qu'il s'en va. Juste en parlant à quelqu'un.